Si jamais vous vous demandiez où j'étais, présentement je suis sur la promenade à Saint-Hyacinthe, sur le bord de la rivière. Et puis à certains endroits, il y a des petites descentes, comme celle-là ici. C'est pas tout à fait celle que j'ai empruntée. Celle que j'ai empruntée était un peu plus à pic et disons dangereuse. Mais celle-là était plus simple. Et puis ici sur le bord, là. J'étais juste là. On pouvait voir la rivière derrière moi et le paysage sur le bord de la promenade. Donc, plein d'endroits comme ça, beaux petits endroits à Saint-Hyacinthe, sur le bord de la promenade qu'on peut descendre puis aller s'installer sur le bord de la rivière puis relaxer un petit peu. Ça, c'est l'arrière du Centre des arts Juliette-Lassonde. C'est le stationnement en arrière. Et puis, un peu de biais. Ici, il y a quelques blocs, quelques immeubles qui sont barricadés parce que éventuellement, il y a tout un gros projet immobilier qui va venir ici. Et puis, ces immeubles-là, ben, ils vont simplement disparaître du quartier. Donc, je le repasserai quand la construction va être faite. C'est une autre affaire que je vais probablement faire. Il y a beaucoup de construction en ville, fait que je vais aller filmer une couple de places où est-ce que la construction pour voir un peu l'évolution de ça. Et puis voilà, un autre truc que je vais documenter. Quand je disais qu'il y avait beaucoup de construction en ville, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin. Ça, c'est en arrière du marché centre. L'immeuble ici avait passé au feu à moitié et puis ils ont démoli l'autre moitié. Et puis on attend toujours le début de la construction ici. Selon ce que j'ai lu dans le journal local, l'immeuble qui va être reconstruit aurait le même look que celui qui était là avant. Donc j'ai hâte de voir ça en attente pour ce petit coin-là. En attendant, on pourrait peut-être ouvrir une pépinière à la quantité d'arbres qui a poussé là. Pour aller les récupérer puis les planter. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Une journée, je suis passé, il est en train de tout démolir. Et puis, maintenant, ben, c'est tout rempli avec du gazon. On avait des belles fontaines ici dans le milieu. C'est disparu. Ça a l'air que c'était désuet et puis que ça coûtait trop cher à réparer. J'ai de la misère un peu à croire ça. Je pense que c'est plus un manque de volonté, mais bon, je suis pas très bon en politique municipale. Alors, qu'est-ce que j'en sais, moi? Tout ce que je sais, c'est que maintenant, le parc est pas mal vide, mais au moins, ça va faire plus de place pour toutes les petites chaises de parterre quand il y a des spectacles extérieurs. Oui, je suis sarcastique un peu.